Re tout le monde, toujours KLB pour Watch the Match pour la demi-finale de notre Rouge Noir. On a eu un petit problème technique, vous avez presque la totalité du quart vu que le gars Quand on a concédé très rapidement et qu'on une a deuxième reposé fois. la Nirvana Sphere. Et là, les 4 premiers tours n'ont pas été merveilleux, mais pas non plus horribles. Il y a hélas un Wall of Tangle Cord sous ce clone shell. Ce que je ne peux que déplorer. Je suis là pour blocher là. Je suis là pour blocher sans trop de soucis. Il a un boost, c'est ça? Il va faire un petit boost plus un plus un. Putain, mais il aurait pu se prendre des targets tellement infâmes. Ouais, c'est sûr qu'il a un boost. Tu l'as pris gâche en bouche comme ça. C'est dommage que ce soit pas une vraie créature en fait. Il aurait pu la prendre tellement dans le groin si c'était une des vraies bêtes que je peux faire. Et genre une base sur un carniflex. C'était un dur là quand même. Qu'est-ce que je fais, un artisan go? Il n'y a pas de 36 000 trucs à faire. Un artisan go. Je parle pas comme ça au maître Bast. Maître Bast. Passe maître mon Bast, tour. Qui aime bien le jeu de l'oreille. Le jeu de l'oreille, oui, ça veut. Est-ce que tu peux expliquer les règles du jeu de l'oreille? Les règles du jeu de l'oreille, ouais. C'est quand on te touche l'oreille, tu as 3 secondes pour toucher le front, sinon tu prends une claque sur le front. Une chiquette. Une chiquette, c'est ça le mot technique, une chiquette. Bon, on est semi-correct dans cette partie. Si il craque spell bon, ça veut dire qu'il a. Ah non, il peut payer encore un verre, je crois qu'il a pas payé un verre. Ouais, c'est bien. Comme ça, là, c'est bien. Ça, je peux en table. Bon, allez, sérieusement. Ouais, il va y avoir moyen dans cette partie, ça serait bien de piocher un bon bruit. C'est dommage vraiment qu'on ait pas fait un bon truc sous Clone Shell, ça aurait été cool. Alors, est-ce qu'il va attaquer? Ce rat va être bloqué par mon mire rouge sans trop de soucis. Il a encore un truc dans la char, Véban. Un nécropède, ouais, un nécropède. J'ai pioché un mire rouge, qu'est-ce que je vais faire? A priori, je vais attaquer pour 3 enflés avec artisan. Et poser un mire rouge? Non, peut-être pas. Pour 3 enflés avec artisan. Je prends un poison par contre dans cette configuration. Je prends un poison parce que je vais bloquer avec mon mire rouge. Mais de toute façon, tu veux faire quoi concrètement de mieux que ça? Garder du mana en plus up. Pour pouvoir bloquer mieux 6 bearers avec ce mire, pour pouvoir être mieux sur une phase d'attaque en fait. Parce que là concrètement, la phase d'attaque, si j'attaque avec artisan, si je bloque 6 bearers, je prends un poison. Bah, t'as un poison, c'est pas dramatique. Ça sera 2 poisons, 3, 4, 5, 7, 8, 8 max avec un boost. Ah, 8 c'est relou quand même. J'aurais préféré ne pas prendre 2 poises, mais le truc c'est que si je prends pas de poise, ça veut dire que je n'ai pas 3 points. Et c'est 3 points qui vont peut-être être importants, que c'est 3 points qui vont me faire gagner un tour a priori. Ouais, je vais mettre 3 points. Donner fly à mon artisan. Attaquer avec. Mais 3 points. 3 points et un mire rouge et je passe mon tour. Ouais, je sais pas, c'était l'option ambitieuse de mettre 3 points. L'autre option c'était de. C'est pas force. De pas mettre 3 points et de garder 2 manas. Juste sur un deuxième boost. Deuxième boost, je meurs même pas, je passe à 8 poises. Faut qu'il ait deuxième boost plus du backup derrière. Je pense que ça devrait aller. Je veux dire, on est bien d'accord que je bloque pas avec Nécrobed. Enfin, que je bloque pas Nécrobed. Des Nécrobed. Non, je bloque pas Nécrobed. C'est pas mal, pourquoi? Ouais, c'est vrai que c'est bien de garder de la mana. Je suis là pour garder de la mana, pour garder mon artisan. Les gens, l'heure est grave. Je viens de recevoir un appel qui m'annonçait qu'il y avait Dorothée et Corbier sur la 2. Dorothée et Corbier sur la 2? Oh, c'est du jack, ça. C'est métable. C'est... Je pense que... Là, a priori, je vais faire un turn 2 sur ce 6 bearer. Faire tout une patate à 4 à 3, je peux faire juste patate à 3. Ah, à 4 avec tout. Ah ouais,
Oh, je vous, c'est pas mal. Dorothée. Ah, Dorothée à la télé, on peut en parler quand même. Ah, Dorothée à la télé, c'est important quand même, Dorothée c'est à important. La télé. Dorothée, c'est quand même important. C'est toute l'enfance de KLB, Dorothée à la télé. Attends, même moi, je me souviens d'avoir déjà regardé Club Dorothée. Je devais pas être bien vieux. Mais t'es pas né à Club Dorothée. Si. J'étais à, faut que je mette des points. J'ai déjà maté du DBZ sur Dorothée, tu vois. Ah, faut vraiment que je commence à mettre des points parce que Poison. Poison sur le long terme, ils risquent de m'avoir parce que ces bêtes, je peux pas vraiment trop les tuer facilement. En plus. Ouais, il continue à poser des bêtes, il va me mettre un point. Ah là, tu vas rentrer dans une course, non? Oui, bah le principe c'est de faire une petite course, ouais. Ouais. Putain, un manade plus pour booster mon. Ah, mais non, je suis pas booster mon. Il était moins 1. Là, de toute manière, en 3 tours, tu tues sûr. Alors 3, 4. Là, si je pose Moriok. Moriok Fly Sauce, c'est ça. Et ça, il me reste 2 mana après? Il me reste 2 mana, ouais. Ouais, c'est pas mal. C'est le mieux, non? Ah, c'est le best, toi. Essaye de garder un. Créature. Un noir de up. Gain Flying. Celle-là, je tac pour 3 points. Bon, Mario Crêpe, et je passe mon tour. Il peut pas trop faire de phase attaque merveilleuse vu que son 6 d'erreur est un 2 et sans pas sur le Moriok Replica. Oh, merci pour les en dehors du cas, je piocherai 2. Merci Dorothée. Quel B est-il parce qu'on on demande hein? si on est-ce que tu. Je sais pas ce que ça veut dire en fait, ce que vous dites, j'ai aucune idée ce que ça veut dire. Tu la pites. Je sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu niques Dorothée telle qu'elle est oh, maintenant. Oh, mais elle est vieille là. Oui, mais c'est super bien. Pour le club Dorothée, tu vois, c'est une manière de. Pour la remercier pour de communier avec Olivier Tom. Alors, sur un boost, je meurs, donc je suis obligé de tout bloquer. De toute façon, je comptais tout bloquer. Après, je bloque comme ça et je garde un artisan de 2. Ouais, c'est good. Ah non, et ça marche comment les phases maintenant? Si je prends un rouge et qu'il décide de foutre le moins 1 sur mon nécropède, je vais piocher 2, non? Le moins 1 du nécropède sur mon Moriok, je vais piocher 2. Si, bah si, ça ciblera. Oui, mais est-ce que je bloque mon rouge, il reste dans ma. Dans ma poule, je crois plus, je crois que ça s'en va tout le temps maintenant. Bon, c'est pas la fin du monde, je suis de bête. Ah, mais d'un côté, j'ai qu'un artisan à un wall après, putain, c'est pas la fin. C'est pas la joie en fait. Sinon, c'est comme ça, non, c'est de la merde. Je sais pas, je vais essayer de garder mon mana en tout, je sais pas trop si ça marche. Tu peux prendre un mana, je crois que c'est pas le problème. Ah, mais non, sinon je booste moi, je booste. Bah non, mais j'ai juste boosté mon. Non, parce que après je l'ai plus en poule. Si je. Attends, je vais le prendre maintenant. On va me dire si ça me demande de l'enlever. Ah, ça me demande d'enlever, c'est bien ce que je pensais. Les phases maintenant, c'est dessus. Donc je vais juste booster mon Moriok Replica. Ah, mais non, ça n'a absolument aucun intérêt. Vu que c'est du moins un qui reste. Eh, le mana rouge part. Mais c'est infâme de changer la règle à chaque fois, je ne m'en rappelle jamais. Mais du coup, je suis pas frais parce qu'il va tuer mon Moriok Replica, quoi. Ah, j'ai mal joué, du coup. J'ai oublié que tu me Moriok Replica, putain. J'ai ultra mal joué. Ah, t'as déclaré les bloqueurs, c'est fini. Ah, j'ai ultra mal joué. J'avais pas vu que tu me Moriok Replica assez bien. Ah, du coup, je suis pas frais, putain. Sinon, je pioche 2. Bah, tu le fais tout et suite. Il garde son 6 d'erreur. Tu fais tout de suite, il garde son 6 d'erreur. Du coup, je bloquais comme un chien, j'aurais dû juste bloquer l'inverse. Black. Ouais, c'est ce que je veux faire. A priori, je pioche 2, il garde son 6 d'erreur. Ce qui est pas mal, ça. Toujours correct. Bon, je peux vraiment pas bien jouer là. J'ai vraiment, vraiment très très mal joué, même, on peut le dire. Jouer. C'est la fin de son tour, c'est un Myriad Venizer, je pose un land. Je. Attaquer? Je fais un Carrion Call, j'en parle un peu dessus, mais bon, c'est la vie. S'il fait un Carrion Call, tu peux lui donner. Non, tu peux pas lui donner le fly. Ah oui, je peux donner si le fly, tu peux c'est vrai. Le fly, si je fais un Carrion Call.
problème, c'est que je risque de mourir. Ouais, alors, je booste une fois. Il faut que tu gardes un rouge, tu boostes trois fois. Mais il faut que je fasse un galvanizer. Hein? Faut que je fasse un galvanizer aussi. Ah bah tu peux booster qu'une fois alors. Bah, ouais. Attends. Je pose un galvanizer, je passe mon tour. Wow, je suis pas mal. A priori, il risque très possible qu'il a rien. Ouais, tu gardes ton. Je suis pas mal du tout dans cette partie pour le coup. Enfin, me dépêcher parce que j'ai utilisé pas mal de mon temps. C'était la 1 ça? Je crois que c'est la 1. Je crois, oui, c'est la 1. C'est la 1 de l'admis, ça, oui, c'est la 1 de l'admis. Oui, c'est loin, fait clencher sur wall. On est pas mal, on est pas mal du tout. Un skin render, oulala, un skin render c'est embêtant. On est plus pas mal du tout. Putain, un skin render c'est vraiment embêtant ça. Ah là là, il a pioché un skin render. Tu veux pas le tuer avant. Ah, sur ça c'est tout. Ah, sur ça par contre je m'en fous. Ouais, mais tu veux pas le tuer avant qu'il soit plus vénère. Je fais un choc sur lui en réponse. Tu peux faire un choc sur lui. À mon tour, sinon je fais fly. Mais tu le tues au tour d'après? Non, j'ai deux retours en fait. J'ai fly plus 1 plus 1 plus 2 plus 2. Ah, mais non, j'ai celle-là. Oui, il faut juste fly... choquer maintenant. Non, non. J'ai fly plus 1 plus 1 plus 2 plus 2. Ça sert à rien de choquer maintenant en fait. Bah, pourquoi tu le tues au tour d'après si tu le choques pas? Non, je tue pareil au tour d'après en fait. Je choque pas maintenant. Je fais fly plus 2 plus 2 pour 6 mana. Ouais, ça met 7. 4 et ça met 6. Ça met 6 piles. Mais pourquoi il a fait ça? Pour mettre des poises. Ça met 6 piles, d'accord, je mets 6 piles à mon tour d'après. Non, il y a un truc que je capte pas. Si tu lui mets 2, si tu lui mets 4 maintenant. Je tue quand même au tour d'après en fait, ça ne sert à rien. Oui, d'accord. Ça ne sert à rien. Sûr. S'il pose une bête fly. Ouais, enfin c'est pour ça, moi je dis là t'es sûr au moins de le tuer au tour d'après. Enfin, c'est pas grave. Mais... S'il pose une bête fly, il me manquera un point, c'est ça? Il manquera un point, c'est pour une bête fly? Et y a pas un truc où ça peut changer, non? Je suis à 4-3 poises. Je le fais maintenant alors. Bah ouais. Donner Trample, allez, il est là, pas certain, mais ça, là, ouais, c'est la première. C'est pas une backfly, c'est relou. Allez, Inch'Allah, il gère pas ce. Ouais, pas falloir qu'il gère.